Ce mardi, Mathieu Chédid était l'un des convives du soir dans Cet à vous. Le chanteur s'est confié sur son rôle de papa et de rockstar, qui lui demande une certaine hygiène de vie. Sur scène, il semble inépuisable et pourtant a bien un talent d'Achille. Ce mardi, le chanteur avait réservé son début de soirée à la bande de Cet à vous. La star était attendue en fin d'émission pour évoquer la sortie dans plus de 330 salles de cinéma en France, Nouvelle-Calédonie, Australie, Belgique, Suisse et Luxembourg de M, en rivalité, son concert donné à Bercy en juin dernier projeté sur grand écran le 7 décembre prochain. L'occasion pour Anne-Elisabeth Lemoine d'évoquer la vie privée de l'artiste, qui vient de retrouver les siens après une tournée à 1000 à l'heure. Mathieu Chédid, ses rares et drôles de confidences sur ses enfants, plus éprouvant que sa longue tournée fin du voyage musical. Et pour le signaler, M, a changé de look, délaissant sa crinière emblématique pour redevenir Mathieu Chédid qui, lui, préfère avoir le crâne rasé. Il y a un mois et demi j'ai voulu passer à autre chose, confie l'interprète de Machista d'Or. Ce dernier tourne donc la page après 150 dates, 78 zéniths, 50 festivals, 24 clubs dont 13 Folies Bergères, 3 Accor Arena, réalisés dans le cadre d'une tournée XXL. Mais vous dites que, globalement, si est-il plus reposant comme ça que la vie de famille? Demande l'animatrice, l'air étonné, à son invité. Et le principal concerné d'assumer en riant, oui, j'ai des enfants très, très jeunes, un petit gars de 4 ans et demi, une petite de 2 ans et si est-il vrai que si est-il éprouvant. Si est-il sûr que quand je pars en tournée, je suis à mon rythme. Il y a une grande intensité le soir mais, en général, je suis plus calme la journée. À la ville, le rocker est en couple avec Loïc Assam-Le-Graziani, maman de ses deux petits-enfants, qui évolue dans le domaine de la communication. Mathieu Chédid, comment fait-il pour tenir sur scène? Le musicien de 51 ans confie avoir une hygiène de vie saine, presque digne d'un sportif. Il faut avoir une certaine rigueur, je suis accompagné par mon grand ami Houssine, Merabet, avec qui on fait pas mal de sport. On va courir, donc on respire la journée, on ne reste pas trop enfermé parce que si est-il assez physique. Et puis le soir faut tout donner puisque si est-il assez physique, ce sont des concerts de 2h30. Si est-il assez animal, ça, si est-il certain. I just need